Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. 35 minutes de vérité avec le pasteur Cast. Nous sommes samedi aujourd'hui week-end, nous sommes en direct par rapport à l'émission Allélo, nous sommes en 4 églises primitives, nous n'avons pas évêque, nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas par rapport à l'émission Eleki, nous n'avons pas évêque, nous n'avons pas d'émission, nous n'avons pas de confrères, nous journalistes, beaucoup de questions peuvent te soutirer, moi en dame, nous n'avons pas par rapport à évolution, il y a spiritualité dans cette église. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Tout le plaisir est pour nous. Il y a des sous le dans cette émission. Allélo. Mais avant, tout côté, on a une question. Allélo. Est-ce que les diplômes sont très importants dans la vie d'un serviteur? Oui, mais le diplôme, en tant que témoignage extérieur des gens de l'extérieur qui observent, c'est utile, c'est important, parce que c'est la manifestation de leur façon d'évoluer, d'évaluer le travail. Très bien. Aujourd'hui, ambassadeur de la paix, y a-t-il une différence entre ambassadeur de Christ et un ambassadeur politicien? Il y a une différence, une grande différence, parce que l'ambassadeur de Christ, c'est au-dessus. Il est aussi le serviteur de Christ. Il va pour apporter le message de Christ qui a fait de lui un ambassadeur. Un ambassadeur politicien, il fait la politique. Peut-être qu'il il est envoyé par son parti politique, il représente le domaine politique, c'est différent. L'un est spirituel, l'autre c'est temporel. Donc celui-là. Un ambassadeur politicien, sa fonction peut faire 2 mois, même 1 mois, quelquefois même 3 jours, une année. Lorsque celui qui l'avait nommé n'est plus en place, on le change. Mais l'ambassadeur de Christ n'a pas de temps limité, il est éternellement en fonction. Même la mort ne le change pas. Il est toujours ambassadeur de Christ, comme l'apôtre Paul, comme tous les prophètes. Un ambassadeur de Christ peut aussi faire la politique? Non, non, non. Il ne peut pas faire la politique et puis continuer à servir Christ. Parce que dans la politique, on cherche toujours à plaire aux gens. Ça, c'est la politique. On tient des discours, on est ceci et cela. C'est toujours dans le but de plaire aux gens. Mais l'ambassadeur de Christ, il dit, si je plaisais encore aux gens, je ne suis pas serviteur de Christ. Galates chapitre 1, verset 10. Merci, évêque. Votre analyse par rapport à cette phrase, ce qui est à César, ce qui est à César est à César. Ce n'est pas un mystère. Le Seigneur, on lui demandait de payer l'impôt, comme aussi nous avons à payer 5 millions de francs congolais à la DGRAT. Je ne sais même pas ce que ça signifie, mais on doit payer. Et 5 millions de francs congolais. Francs congolais. Maintenant, ce sont les impôts. Maintenant, le Seigneur a dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Comme il était lui-même Dieu, il a dit, mais la monnaie que vous me présentez porte l'effigie de qui? On lui dit de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Ce n'est pas une phrase mystérieuse, ce n'est pas un mystère. À César, ce qui est à César, si César a besoin de l'argent, donnez-lui l'argent. Maintenant, ce que Dieu vous demande, donnez aussi à Dieu.
Est-ce que ça les sous que l'église ils ont foutu un impôt? Yamboka. Non. Yamboka, église Namboka. Notre église primitive, bon, négocier le bateau foutu 5 millions. Est-ce que ça les sous? Mais d'après le Seigneur, là même il a dit que ce sont les étrangers qui payent l'impôt, pas les fils du pays. Le Seigneur a dit ça. Mais il dit, mais pour ne pas les scandaliser, va chercher quelque chose. Il a demandé à l'apôtre Pierre d'aller pêcher, de se référer au premier poisson qu'il aurait tiré, de trouver de l'argent dans la bouche du poisson, de payer et pour lui et pour l'apôtre Pierre. L'homme de Dieu, est-ce qu'il y a tout dans la Bible aujourd'hui? Tout est dans la Bible, parce que la Bible, c'est elle qui a tout fait. C'est la Bible, parole du Seigneur, il y a tout dedans. Mais lorsque vous condamnez aujourd'hui aux gens de quitter l'église catholique, c'est un combat diabolique ou c'est un combat spirituel? C'est même ça le combat de la foi. C'est écrit dans le Saint-Écriture. Depuis le prophète Zécharie, si nous nous référons même à la Genèse et à Exode, le peuple de Dieu doit toujours être libéré, appelé à sortir. Il doit sortir de l'endroit où il est enfermé par Satan à travers plusieurs choses. Il faut sortir pour aller servir. Moïse devait libérer les enfants d'Israël au nom de Dieu Elohim pour qu'il aille le servir. Pharaon refusa et le Seigneur a multiplié de puissants miracles, beaucoup de plaies pour pousser Pharaon à laisser partir le peuple dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, le Pharaon, c'est quoi? Le Pharaon est représenté par les églises dites traditionnelles, qui s'entendent bien avec les gouvernements, les catholiques, les protestants, les méthodistes et les pentecôtistes, tous les groupes de prière. C'est le pharaon d'aujourd'hui. Ils tiennent, ces gens-là, ils tiennent dans l'esclavage le peuple de Dieu. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas boire du vin. Tu ne dois pas voir de femmes. Rien que de bonnes choses. Ils interdisent. Donc ces gens-là sont en prison. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14, alors il est demandé au peuple de Dieu, vivant dans l'esclavage spirituel, de sortir de là et de se séparer de ces gens-là qui sont incrédules et de ne pas toucher aux choses impures. Et le Seigneur a promis de les accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Maintenant, pour ce qui est de l'Église catholique, c'est vraiment bien clairement dit dans les Écritures, Révélation, chapitre 18. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la débauche, de cette association, alors le Seigneur, depuis le ciel, commande au peuple d'en sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez pas de part aux fléaux qui vont tomber sur cette église, comme ils étaient tombés sur le pharaon, sur l'Égypte. Donc il faut quitter le catholicisme. Très bien. Est-ce que l'église catholique est forte sur le plan spirituel? Non, elle ne représente rien de fort. Mais tout le monde qui joue sur le plan spirituel, oui. Elle est vraiment au niveau zéro. Rien de Dieu. C'est pour cela que l'élo pasteur Kassazo bang a pacté. Oui, je ne peux pas banguer pape, je ne peux pas avoir peur d'un pape. Il ne représente rien. Sauf la politique. Là, il est fort. Parce qu'il est écouté par le monde entier. Dans la magie, ils sont forts. Dans tout ce qui est néfaste, négatif, ils sont forts. Mais ils ne représentent rien sur le plan de la Bible. Eux et la Bible, c'est le nord et l'est. C'est le nord et le sud. C'est vraiment différent. Merci. Bayim boko boko landa biso to swami na commune ya Lingwala na veni kabinda sima ya Pain Victoire toza na République démocratique du Congo capitale Kinshasa et pa wabito yambi évêque le pasteur Pierre Kasna yeto ko sur la lelo ma matali
l'impact de la résurrection et puis l'importance il y a combat spirituel dans la vie d'un chrétien. On a dit question introduction, ce que tu es vraiment la thème. L'homme de Dieu, avant tout quand on a thème à l'élo, tu as une question par rapport au miracle. Quelle est l'importance du miracle dans le ministère et l'impact de la résurrection il y a lycée quoi hier sur la carte du ministère et signifie ni. Et là qui signifie, il y a onde mon beaucoup église, tu as onde mon beaucoup à ministère. L'importance des miracles dans le ministère d'un homme du Seigneur et la signification ou l'impact de la résurrection, revenir à la vie en rapport avec le christianisme, la résurrection du Seigneur. Commençons par les miracles. Les miracles sont un moyen secondaire ajouté au ministère ou à l'appel pour attirer l'attention des gens vers la parole qui, elle, prime sur les miracles. C'est la parole qui sauve et non les miracles. Les miracles sont l'appât à l'hameçon. Il y a l'hameçon, et pour attirer et avoir le poisson, on met un appât. Et quand le poisson vient vers l'appât, il est capturé. C'est ça le rôle des miracles dans l'Église. Quel est l'impact ou la signification de la résurrection de notre Seigneur? La résurrection de notre Seigneur est l'attestation divine de la puissance de Dieu sur tous les autres pouvoirs et même sur la mort. Donc, la doctrine de Christ a été prouvée le jour de la résurrection et par la suite comme étant la véritable parole de vérité, parole de fidélité à laquelle on doit faire absolument confiance. Parce que par la résurrection du Seigneur qui est la tête, son Église qui est constituée des membres de son corps, qui accepte l'entièreté du message ou la parole des Saintes Écritures, passera elle aussi par la résurrection. De même que la résurrection du Seigneur était annoncée d'abord dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, chez les prophètes et dans les psaumes, dans la maison même d'Adam, qui avait perdu Abel, qui a retrouvé Seth. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a aussi annonce, la confirmation se fera dans quelques années. Et même lorsque le Seigneur était là avec ses serviteurs, il y a eu des cas de résurrection, y compris dans le ministère récent, puissamment béni, de notre frère William Marion Branham, pour attester que le message était un message de vérité. La résurrection, c'est vraiment les prémices de la résurrection de nous tous. C'est ça qui a attesté que Yeshua était différent de tous les chefs religieux qui sont allés dans leur tombe avec leur doctrine. Mais le Seigneur, Yahweh n'a pas permis que son corps commence à pourrir. Le troisième jour, comme il connaissait les choses en tant que créateur, il est revenu à la vie. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Yeshua, son corps, n'a pas vu la corruption. Et la parole du Seigneur aussi ne connaîtra pas la corruption. Voilà la vérité fondamental là-dessus. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a commencé le monde avec le miracle? Mais la création, c'est l'apparition des miracles. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est un miracle. Mais nous avons l'habitude d'assister. Qui peut imiter ça? Nous avons l'habitude d'assister plusieurs fois lorsque vous prêchez ici dans l'église primitive. On n'a jamais vu des miracles comme nous voyons chez Mutombo, Mukuna, Kutino. Non. Pourquoi tout ça? Et ils n'ont pas de vrais miracles. Et ils ne sont même pas à l'église. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir des miracles. Le Seigneur peut permettre qu'ils aient des miracles. Mais le Seigneur a dit, après les miracles, si on prêche de fausses doctrines, comme ils le font, sachez que ce n'est pas moi. Je vous mets seulement à l'épreuve pour voir si vous m'aimez plus par rapport à ces gens-là. Donc les Mutombo Kalombo n'ont pas des miracles authentiques. Les Mukuna n'en ont pas aussi. Mais le frère Branham avait des vrais miracles bibliques. Leur père A.E. Osborne a témoigné que ce qu'on a vu dans les Saintes Écritures avec Yeshua, c'est la même chose exactement que nous avons vu chez le prophète Branham. Avec Branham, T.L. Osborne a dit, nous avons vu Dieu marcher sur la terre. Donc, nous n'en faisons pas mention beaucoup. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas maintenant attelés à inventer des miracles.
Mais il y a des choses qui se font, il y a des guérisons, il y a des choses qui se font. Mais ce n'est pas encore ça que nous attendons. Nous attendons de véritables miracles qui vont avoir lieu peu avant le retour du Seigneur. Les morts ressusciteront, les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront. Il y aura même des membres du corps qui manquaient à certains individus qui leur seront donnés à travers la prononciation de la parole. Nous avons toutes ces promesses à travers le message du temps de la fin. Donc il y a une grande différence, une énorme différence entre nous qui suivons le message de la Bible et les autres qui se précipitent parce qu'ils n'ont pas la chose véritable. Très bien. Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui que le miracle, c'est un langage dédié? C'est quoi? Le miracle, c'est un langage dédié. Non, il n'est pas dit que c'est un langage de Dieu. J'ai dit que c'est un moyen secondaire, ce sont des dons. C'est un don de miracle, don de guérison. Ça a été ajouté pour servir la cause de la parole, pour attirer les gens. C'est ainsi que dans le ministère de Frère Branham, il y a eu d'abord cette attraction qu'il a appelée premier pôle, première attraction, deuxième attraction. Et puis, troisième attraction, l'ouverture de la parole, la Bible, le message est donné. Avant que le message ne vienne, il a travaillé comme un évangéliste, manifestant de puissants miracles et autres. Ensuite, le Seigneur lui dit, maintenant ne voyage pas, assis-toi, enseigne la parole. Quels sont les principes pour reconnaître le miracle authentique? L'enseignement. Si après les miracles, quelqu'un prêche qu'il y a trois personnes en Dieu, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez oublier les miracles et autre chose. C'est l'enseignement qui compte parce que c'est l'enseignement qui est envoyé pour sauver, pour éclairer, pour vêtir et revêtir les gens, pour les former. C'est l'enseignement. Donc, c'est l'enseignement qui est plus important. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais son enseignement était correct. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'idolâtrie existe dans l'Église? Vrai ou faux, l'unité n'existe pas aujourd'hui au sein de l'Église? Des questions. Il n'y a pas l'idolâtrie dans la vraie Église. On peut trouver aujourd'hui la vraie Église? Chez nous, chez moi ici, chez nous. L'Église primitive, c'est la vraie Église. C'est la seule qui défend la polygamie, qui défend Abraham, qui défend Isaac, qui défend Israël, qui défend la Bible, qui défend David et Salomon. C'est ça la Bible. Qui défend Israël, c'est ça la Bible. Les enfants de Dieu, les apôtres et les prophètes, ce sont les enfants des polygames. C'est ça la vraie Église qui a le fondement original des apôtres et des prophètes, là où Christ est la pierre angulaire. Les autres sont tous faux. Lorsqu'on est seulement en contradiction avec une seule parole, un seul enseignement, un chapitre de la Bible, on est idolâtre. Tout ce qu'on va mettre à la place, c'est une idole. Ainsi, vous avez les idoles, même chez les catholiques, c'est visible. Les protestants sont leurs fils, sont les idolâtres, les méthodistes, les pentecôtistes, les choses-là de ministère de réveil, ce sont des idolâtres. Ils se font passer pour des idoles, ils sont idolâtrés. Mais nous, nous adorons la parole du Seigneur, Yeshua. Vous avez aujourd'hui quelle vision sur l'Église du réveil? C'est la vision des Saintes Écritures, la destinée, c'est l'enfer. Ils vont être jetés dans le feu parce qu'ils permettent aux femmes de prêcher, d'enseigner, de diriger dans l'Église. Si vous lisez dans Apocalypse 2, depuis le verset 18, vous avez toute la suite clairement présentée devant soi dans le nom du Seigneur. L'Église du Seigneur doit avoir quelle image pour que cette Église soit respectée? L'image de Jésus-Christ, l'Ancien, le Nouveau Testament, y compris la Genèse. C'est ça l'image qu'elle doit avoir pour être respectée. Parlez-nous brièvement du ministère de la femme. Sur la Bible, est-ce que vraiment la Bible interdit à la femme de prêcher? Lorsque nous voyons aujourd'hui des grandes femmes de notre pays, Maman Olangui, Mamemi Coutino, prêcher l'évangile. Ce ne sont pas des grandes femmes, ce sont des femmes maudites. Depuis la Genèse, le péché d'Adam, c'était de s'être transformé en disciple pour être formé par sa femme. Et le Seigneur a parlé ouvertement. Pourquoi as-tu écouté l'enseignement de ta femme? La voix de ta femme. Pourquoi as-tu suivi ta femme? Et il parlait à toutes les femmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 33, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Elohim n'est pas l'auteur de désordre, mais de paix.
comme nous, nous sommes ambassadeurs de paix à travers le monde entier. Nous véhiculons cette paix. Mes frères m'ont invité aussi au Canada pour que je leur apporte cette même paix. Je m'attellerai à ce voyage-là aussi. Je n'ai jamais été au Canada. Mais j'ai des enfants là-bas, spirituels, qui me réclament. J'irai par la grâce de Dieu, si c'est sa volonté. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Le désordre, c'est lorsqu'on permet à la femme d'enseigner. Lorsqu'on lui permet de commencer à parler dans l'église. C'est ça le désordre. Et la parole n'est pas sortie de chez les Américains ou chez les Français, surtout pas chez les Congolais, mais de chez les Juifs, les enfants des polygames. Ils ont interdit, au nom du Seigneur, ils ont dit que la femme doit garder le silence dans l'église. Maintenant, comme conclusion, le verset 37, si quelqu'un se plaît à contester, comme il y en a qui veulent discuter là-dessus, ils doivent savoir que ce que moi, Paul, je vous écris là, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore ça, c'est la preuve que Dieu ne les connaît pas. Donc toutes les femmes qui prêchent doivent savoir que Dieu ne les connaît pas. C'est ça la preuve. Et puis elles peuvent... Il y a des miracles aujourd'hui. Et puis, elles peuvent prêcher, mais pas dans l'église du Seigneur, comme dans la nôtre. Elles peuvent prêcher dans leurs institutions, dans le terrain du diable, parce que le diable aime beaucoup la femme. Élève beaucoup la femme, comme il l'avait fait depuis le jardin d'Éden. Donc, c'est la preuve que Dieu ne connaît pas ces femmes-là. Mais alors, pourquoi Dieu permet un miracle de ça, madame ministère d'abord? Il a permis. On ne peut pas lui poser question. Il a permis parce qu'il faut que chacun retourne dans son village natal pour le recensement. Les gens qui doivent aller avec les femmes pour mourir sur le lit des morts, Apocalypse 2, depuis le verset 18, ils n'ont qu'à aller là-bas. Mais les Écritures sont claires. Je suis contre chaque homme qui permet à la femme d'enseigner. Apocalypse 2. Très bien. Parmi vos 9 femmes, aujourd'hui vous avez 9 femmes, si l'une d'entre elles a besoin aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu, est-ce que le frère Cass va dire non? Il n'y a pas de réponse à donner. Parce que vous-même, vous connaissez ma réponse. Est-ce que je peux avoir une femme qui pourrait avoir besoin de prêcher la parole? Mes femmes ne veulent même pas se présenter à la télévision, à la radio. Ce sont des personnes très réservées. Elles sont nourries de paroles. Ça, ce sont les éléments de la parole pour les femmes qui sont avec nous. Chacune est à sa place, à la maison. Elle n'a pas besoin de venir prêcher. C'est moi qui suis le prédicateur, pas mes femmes. Est-ce que l'église aujourd'hui, c'est une entreprise? Oui, David, ce sont les affaires de Dieu. L'église, c'est une entreprise. Ce sont les affaires. Vous prenez le temps de vendre le nom de Jésus? Pas de vendre, de vanter. Oui, j'exalte le nom du Sauveur. Je vante le nom du Créateur, Sauveur, béni éternellement. Amen. Je fais ça. Mais on ne peut pas vendre. Même les brochures que nous faisons, nous ne vendons pas. Vous donnez ça gratuitement? Gratuitement. Nous donnons gratuitement parce qu'il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce qu'il y a une différence entre l'église catholique et l'église pentecôtiste? Comment l'évêque Cass peut aujourd'hui nous expliquer clair sur la polygamie et la monogamie par rapport aux gens qui sont divorcés? Est-ce qu'ils peuvent encore avoir le courage d'être mariés 2 ou 3 fois? L'homme peut se remarier par la femme, aussi longtemps que son mari vit. La polygamie, c'est le fait d'avoir les femmes légitimement mariées. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas un péché. La différence qui existe entre les pentecôtistes et les catholiques n'est pas grande. Les pentecôtistes sont la fille adultère de la maman, grandement adultère, l'Église catholique. La différence existe seulement au niveau des formes. Là-bas, on a des prêtres chez les catholiques et les abbés. Chez les pentecôtistes, on a des prédicateurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Mais au fond, c'est la mère et la fille. Toutes sont maudites sous la malédiction, dans le nom du Seigneur. Merci. Vrai ou faux, c'est écrit dans la Bible que l'Église catholique va diriger le monde? C'est écrit. C'est écrit dans Apocalypse 17, pendant une heure. C'est une heure prophétique. C'est-à-dire, à un moment donné, le pape et sa femme, c'est-à-dire Acab spirituel, le pape et sa femme, Jézabel spirituelle, Église catholique, dirigeront le monde. On n'avait pas vu que dans les jours passés, ils ont essayé de prendre le pouvoir par la force.
parce qu'ils en ont l'aspiration, un esprit, la semence politique de diriger. Ils savent qu'ils vont le faire. Ils le feront pendant une heure. Mais ce sera juste la fin, leur fin aussi. Le Seigneur descendra et mettra à mort le pape, peut-être en Israël, dans le temple, qui sera reconstruit. Voilà la vérité. Évêque, le Tikali n'a moins 7 minutes pour dessus les émissions. Vision non, le lot par rapport au combat spirituel. Est-ce que combat spirituel existe? Mais le combat spirituel, ça existe dans l'église primitive. Chaque fois que vous me voyez à la télévision, à la radio, en train d'écrire, c'est toujours le combat spirituel. C'est pour combattre pour la foi des élus. Les élus doivent connaître la vérité. Pour cela, il faut combattre. Chaque croyant véritable aussi doit combattre pour garder la foi, garder la vie éternelle. Le combat spirituel existe. Nous combattons contre qui dans cette combat Satan. Spirituelle? Satan. Satan, le diable qui a fait aussi beaucoup de religions, qui a fait beaucoup, qui a produit beaucoup de ministères. Faux. Tous ceux-là qui se disent ministères de sont des ramifications. Mais aujourd'hui, basé là-bas, diplôme est belé que les caillots. De Satan. Leurs diplômes là, ils les ont reçus dans les séminaires et dans les théologies. Mais moi, ce sont des gens qui ne sont pas en contact avec moi, qui ne m'ont pas formé, qui ont dit non. Manifestons-nous. Exprimons notre langage en donnant. Et quand ils viennent pour donner les diplômes, c'est devant l'église. Ce n'est pas en théologie, dans le séminaire. Ils disent, nous avons observé, les autres sont des hypocrites. Ils prêchent la monogamie, mais ils vivent avec des femmes. Presque tous, ils sont comme ça. Presque tous ces gens-là, ils sont comme ça. Mais toi, tu parles la polygamie, tu vis, tu as tes femmes chez toi, en paix aussi. Eh bien, nous te donnons un diplôme pour exprimer cela. C'est différent. Ce sont des gens que je ne connais pas. Mais ils ont des diplômes en théologie, en philosophie. Est-ce qu'ils ne les ont pas achetés? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. L'homme de Dieu, est-ce que Pasteur Oaza a divorcé? Toi, tu as bali dans l'outago, bénir le mariage? Ouais, ouais. Il peut bénir le mariage, comme Paul. Paul a béni le mariage. Comme Jean-Baptiste. Comme Yeshua. Il n'est pas encore marié. Il est fiancé. Là, il bénit le mariage. Il n'y a pas d'exigence. Par rapport à la bénédiction du mariage? Il n'y a pas de conditions, non? Il faut bénir. Tu n'as pas de question, tu n'as pas de vie, tu divorcé combien de fois? J'ai renvoyé la sœur Myriam. J'ai renvoyé encore une autre Myriam. Encore une Myriam. J'ai renvoyé trois Myriam. J'avais renvoyé encore une Myriam. Je me suis réconcilié avec elle. Elle est ici, elle travaille. J'ai renvoyé aussi Yokebet, qui s'appelait avant princesse, deux fois. Elle est revenue. Voilà. C'était pour quel objectif? Indiscipline. Lorsqu'elle part, lorsqu'ils reviennent et que c'est réconcilié là-bas, comment le comportement là-bas, on y va changer tout parce que là-bas, on Non, j'avais aussi renvoyé la sœur Ribka, fille de notre frère qui est persécuté à Mwanda. Après une année, elle est revenue complètement changée. Complètement changée. Donc, un homme. Une autre, c'est Myriam, celle dont j'ai dit qu'elle habitait Yolo. Ses parents sont dans notre assemblée. Quand elle est revenue aussi, elle avait modifié son comportement. Il n'y a qu'une qui n'a pas changé. Ces choses-là reviennent souvent. Elles viennent de l'Est. Est-ce que lorsqu'une femme commet l'adultère, accueillie, qu'on peut se réconcilier dans mon bal? Non, c'est fini. L'adultère met fin à l'alliance. C'est terminé. Celles qui reviennent là, c'est parce qu'elles vont seulement pour apprendre à se discipliner. Et puis elles reviennent améliorées. Parmi les adultes, les femmes, les Myriam là, il y a une qui chassait. Pendant ce temps-là, elle est allée commettre adultère. Son ami a surpris les mauvaises choses dans son téléphone. Elle a avoué, elle a dévoilé, et nous l'avons chassée.
et de l'Église. Pour du bon. Pour toujours. Mm. Et de l'Église. Et sur le plan biblique, ils ont permis. Et de la sur le plan biblique, ils ont permis à Bengala Pemou dans quatre églises. Mais oui. Mais oui. Mm. L'adultère. L'adultère. Les adultères ne seront pas admis au ciel. Pourquoi on va garder une femme adultère? Quand il a commis adultère, il a méprisé le Seigneur, il a méprisé l'Église. Il faut châtier, sérieusement. Il faut la mettre dehors. Merci, l'homme de Dieu. Merci. Un mot de la fin par rapport à Baïtino Sotouba l'individu. Message du temps de la fin, c'est pour fixer nos idées, c'est pour nous laver, c'est pour nous revêtir par le véritable baptême du Saint-Esprit. Le message est clair, la connaissance du véritable Seigneur. Yeshua HaMashiach, il est le véritable Seigneur et la vie éternelle. Répentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés et demeurez dans son Église pour recevoir les enseignements scripturaires afin que vous soyez vraiment connectés avec le ciel. Lorsqu'il reviendra, vous partirez avec lui dans l'enlèvement pour le mariage polygame. Si vous ne croyez pas à la polygamie, ne venez pas parce que vous n'aurez pas de place dans l'Église du polygame Yeshua HaMashiach. Qu'allez-vous dire lorsque vous verrez d'abord Abraham à la table du Seigneur, selon Luc chapitre 13 ou 14, vers le verset 48-49. Qu'allez-vous faire lorsque vous verrez Jacob à la table en troisième position et tous les prophètes, leurs enfants, David et Shlomo? Non, ne venez pas si vous êtes contre la parole du Seigneur. Et si vous aimez la vérité, vous aimez aussi être épousé, ajoutez-vous à nous et nous irons ensemble au ciel. Dans le nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Amen. Il y a un prophète qui habite Bandal. Alors, il y a un faux prophète. Oui. Il y a un faux prophète. Alors, il y a un temps. S'il était prophète, je l'aurais connu. Il y a un temps de la fin. C'est comme il y a un temps à vengeance. C'est pour ça que j'ai dit c'est un faux prophète. Nous sommes encore au temps de la fin. Non, tu continues à temps à vengeance. Non, non. Merci, l'homme de Dieu. La vengeance interviendra lorsque moi et tous les autres nous monterons. Alors, le Seigneur déverse la vengeance sur la terre. Il va punir les nations. Il va punir les nations qui vont venir pour attaquer son pays et son peuple, Israël, à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle l'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Armageddon. Armageddon, là où habitait le roi Shlomo, notre père. Là où il stockait ses armes. Il y a une vallée là, très riche, qui est convoitée par les nations voisines. C'est là où la dernière bataille va se faire. C'est là où Yahweh Elohim va se manifester. Vous lisez Zacharie 14, vous lisez Ézéchiel 38 et 39, et puis vous associez avec Apocalypse chapitre 16, chapitre 17. Voilà la conclusion, le temps de la vengeance. La vengeance viendra. Mais avant que la vengeance ne vienne, c'est Malachie 4. Il parle d'abord du temps de la vengeance qui va venir, le feu, quand il y aura les bombardements dans les nations. C'est ça la vengeance. Mais avant ça, le prophète Branham est promis. Versets 5 et 6, il vient avec un message pour que nous échappions à la vengeance. Merci. Merci, l'homme de Dieu. Le mardi, on va discuter avec l'homme de Dieu, l'évêque, sur la prophétie et le prophète en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons discuté sur le miracle, sur l'impact de la résurrection. C'était nous, la RTMV, devant vos postes téléviseurs. Au Landabiso, peine à réseaux sociaux. Tout en la Congo, l'Ipanda, Tepesi, Jimmy Adjokimbo, t'es depuis Paris. C'est moi, votre humble serviteur, Billy Capessa. Merveille, elle était derrière la caméra. Nous remercions toutes les personnes qui étaient scotchées et cimentées. Aux en la posé un numéro, il y a l'homme de Dieu. Au Bengibiso, Tepesi, au numéro à l'homme de Dieu, parce qu'actuellement, à Zoboyana, nous débat. Azokol Sabison Amakanisi et puis une vision sur le plan spirituel. Restez scotché si monté. Ciao. Congo Lipanda. Oh. Congo Lipanda. Congo Lipanda. C'est toi et pas la mouka Congo. Jimmy Achuki. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Azuli libango Kongo Lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda.